On peut interroger d'autres suspects là, les gars, on progresse, on continue de progresser là. On y va. C'est chaud, c'est chaud. Salut à tous, Isaac Frostify. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 8, intervention gendarmerie. Aujourd'hui, on est le GIGN, groupe intervention gendarmerie nationale. Donc voilà, on va vraiment intervenir pour du très très lourd, de très très grosses interventions, des types lourdement armés, etc. Voilà, on a notre blindé là-bas du GIGN. C'est parti, on va y aller. On va monter immédiatement à bord de ce véhicule blindé, fait pour de très grosses interventions. Et là, c'est parti. On a un braquage de banque. Donc on va aller immédiatement sur place. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. On va essayer de se rendre immédiatement sur place. Hein. Bon, qui dit braquage de banque dit parfois otage. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'otage. On va voir s'il y a des otages. Dans tous les cas, s'il y a des otages, on va devoir intervenir très très vite. De faire en sorte qu'aucun otage soit blessé et qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Voilà, on va voir également si on peut faire une négociation. Hein, le mieux vraiment, c'est de ne pas faire de victimes. Faut savoir que le GIGN, c'est pas comme le SWAT des États-Unis. Hein. Le SWAT des États-Unis, eux, quand ils interviennent, c'est pour tuer. C'est direct pour tuer. Le GIGN, voilà, on cherche vraiment, dans un premier temps, vraiment négocier. Si on peut faire le moins de victimes possible, on va essayer d'en faire le moins possible. Allez, c'est parti. Alors, on va parler à notre collègue. Alors, que se passe-t-il là? Ok, ça tire déjà. Mes collègues ont déjà commencé l'assaut. Très bien, donc je vais te demander de couper l'alarme, s'il te plaît. Et moi, avec mon équipe, on va intervenir. Donc, c'est parti là. Mon collègue va couper l'alarme. Et nous, on va intervenir. Ouh là là, ok. On a. Ben voilà, le civil, pourtant, on a mis. Voilà, ils ont vu qu'il y a tout un effectif de gendarmerie. Voilà, il y a déjà un civil qui s'est fait tuer parce qu'il est passé devant la banque. Donc, déjà, rien que ça, pour moi, ça veut dire que les types veulent pas négocier. Allez, c'est parti, on intervient. Ok, rendez-vous, gendarmerie. Gendarmerie, on se rend. Très bien, ils veulent pas se rendre. Mais tant pis pour eux. Ok, on a 4 otages. Putain, ça craint là. On va essayer de faire en sorte. Collègue, s'il vous plaît, ne blessez pas les otages. Faites attention aux otages. Attention aux otages. Ok. Putain. Et voilà, déjà, il y a un otage qui a été abattu par les assaillants. Merde. Oh putain, lui, il est lourdement armé là. Je sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va essayer de rentrer discrètement. Il y en a un derrière. Ok, très bien, la vitre est blindée aussi. Ok, il y a un otage, donc lui... Oh putain, deux otages ont été abattus. Hein. Oh putain, il veut tuer l'otage. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais là? Reste au sol, au sol, au sol. Au sol. Putain. Non. Putain. Il a tué l'otage? Ok, non, c'est bon, il a pas tué l'otage. Putain, les enfoirés, quoi, c'est pas possible. Hein. Bon. Les collègues, c'est bien, très bon boulot, mais malheureusement, là, on a deux otages qui sont morts. C'est inadmissible, les gars, inadmissible. Deux otages sont morts. Très bien, on va appeler le SAMU et les sapeurs-pompiers qui vont venir s'occuper des corps. Ok, on est de retour en intervention. Donc là, c'est parti. Là, comment dire, on a un laboratoire qui se fait attaquer. Et là, surprise, on a Titou qui est de retour avec nous. Donc voilà, il va intervenir avec nous. Donc c'est parti, on va aller immédiatement à cette intervention. Donc voilà, comme je disais, là, c'est un laboratoire. Donc voilà, à l'intérieur de ce laboratoire, il y aurait des personnes lourdement armées. Donc voilà, on va vraiment essayer de faire du mieux qu'on peut pour neutraliser les individus et surtout les arrêter si on peut. Hein, on ne sait pas la raison pour laquelle ils ont voulu prendre possession de ce laboratoire. Mais dans tous les cas, voilà, ils ont forcé... Ils ont forcé l'entrée du laboratoire afin de sûrement prendre, je sais pas, peut-être des choses qui les intéressent. Voilà, il faut savoir que dans ce laboratoire, il y avait quand même plusieurs recherches depuis des années qui ont été faites. Et je sais pas, ils sont intéressés sûrement par quelque chose. Donc moi, je vais appeler des renforts. Voilà, on va attendre que des renforts viennent avec nous. Donc avec Tito, d'abord, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, Tito, sort. Alors, déjà, comment on peut rentrer par là? Ok, on a déjà les collègues du GIGN qui sont là. Bon, bah, c'est super. Ah, d'accord, ok. Ils sont carrément rentrés par là.
Alors, ok. Bon, pour l'instant, rien à signaler, pas d'individu suspect à l'intérieur. Allez, Tito, tu viens avec moi, on fait un petit tour. On va quand même rester prudent, en espérant qu'il n'y ait pas de d'individu armé. Oh là là, ok, d'accord, on a un individu armé là. Je vais demander aux collègues de venir. Monsieur, gendarmerie, les mains en l'air! Ok, d'accord. Le type veut pas se rendre. C'est pas possible. Titou! Titou, je vais te demander d'attaquer cet individu là. Bon, jamais. Oh putain. Oh putain, ça devient chaud. Gendarmerie, je vais vous demander de vous mettre au sol tout de suite. Bon, Titou, c'est mieux qu'il reste à couvert parce que j'ai pas envie qu'il il peut se faire tuer facilement là par ces individus là. Bon, Titou, vas-y, attaque, 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 vas-y, lâche un croc. Allez, 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 Titou. Oui, c'est bien, Titou. C'est bien, Titou. Nickel, nickel, nickel. C'est bien. Au moins, il est désarmé. Bon, maintenant, les mains en l'air, les mains en l'air, ça suffit, les mains en l'air. Il a peur du chien, ça me tue. Titou, les terroristes tous. Allez, mets-toi au sol là, tu te dépêches. Tu te mets au sol. Bon, là, j'aurais vraiment besoin de renfort là. Voilà, tu restes au sol. Bon, on va l'arrêter lui. Oh là là, j'espère que il n'y a pas trop d'individus quand même armés. Bon, de toute façon, lui, on va le questionner. Allez, viens, Titou, là. On va sortir cet individu, on va essayer de le questionner. Très bien, là, on a les collègues du GIGN. Bon, les gars, là, je vous ramène un suspect. Voilà, je vous ramène un suspect, les gars. On va le questionner, lui, là, parce que là, c'est pas normal ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, vous, voilà, rentrez à l'intérieur et il y a des types armés, hein, je vous dis. Donc, faites attention, les gars, faites attention. Bon, bref, moi, je vais te questionner, toi. Bon, alors, écoute-moi bien, toi. Tu vas me répondre tout de suite. Combien y a-t-il de types armés à l'intérieur de ce bâtiment? Tu vas me dire le nombre de types armés et la raison pour laquelle vous êtes là, ok? Tu vas me répondre tout de suite, je te le dis. Bon, elle a pas l'air de vouloir coopérer. Très bien, y a pas de problème. Ça sera la perpétuité pour toi. Hein? Tu auras vraiment une grosse peine de prison. Bon, c'est pas grave, moi je vais intervenir avec Titou. Allez les gars, on y va. Il y a des types armés. On va quand même aussi encore appeler des collègues parce que là ils m'ont l'air d'avoir quand même un sacré effectif. Viens Titou avec moi. Voilà, bon là on a un type au sol, hein. Bien. Allez, on continue de progresser. Oh putain, les types sont armés là. Ok, j'ai besoin de collègues, j'ai besoin de renforts. Je vais avoir besoin de renforts là. Au sol, gendarmerie là, s'il vous plaît, rendez-vous. On peut négocier. Pour quelle raison vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je sais pas ce qu'ils cherchent. Rendez-vous. J'essaie de gagner du temps là. Bon, je vais demander à Titou de l'attaquer, hein. Vas-y Titou. Titou, quand je te dis, tu l'attaques, ok? Attaque, attaque, vas-y Titou, attaque. Attaque, attaque, attaque. Vas-y, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bien, nickel, nickel. Ok, très bien. Ok, l'individu a été neutralisé. Bon, pour l'instant, on n'a pas de collègues avec nous. Ok, on a des collègues là. Les collègues sont là. Oh putain! Oh putain, il a une arme lourde, il a une putain d'arme lourde. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Ok, on a les collègues là, j'ai vu des tirs, c'est bien les collègues, venez, 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 ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. GGN là, rendez-vous immédiatement, ça suffit. Regardez les armes qu'ils ont quand même, regardez les armes qu'ils ont. C'est vraiment gravissime quoi. Allez, on continue, on progresse, on progresse, on progresse, les gars, on progresse, on progresse. Oh putain, encore un type armé. Encore un type armé. J'aurais besoin de renforts là. Je sais pas combien ils sont dans cette zone. Je sais pas combien ils sont. Allez les gars, on progresse, on continue de progresser. Putain, encore un type armé. Rendez-vous, gendarmerie là. Putain, c'est pas possible, ils sont combien? Allez, on progresse, les gars, on progresse. Titou, il est où là? Il est où, Titou?
Putain, Titou, j'ai besoin de toi. Titou. Titou, là, c'est... Allez, viens, là. Qu'est-ce que tu fais, Titou, là? Titou. Putain, il y a encore des types derrière. Bon, ils m'ont l'air d'être vraiment pas mal, là, dans ces jeux. Allez, les gars, là. On fait le tour de la zone. Soyez prudents. Ouh là là, il m'a l'air d'avoir du monde, là-bas. C'est vraiment compliqué. Voilà. On a un gendarme avec nous. C'est bien, il a du courage, lui. Il est vraiment pas équipé, mais voilà, il a du courage en plus. Voilà, il a même pas de gilet pare-balles, rien du tout, quoi. Allez, les gars, on y va, on continue. On progresse. On progresse, on progresse, on progresse, les gars. Putain, on a un membre blessé, là. On a des membres blessés, là. Homme à terre, homme à terre. On a un collègue à terre. Regardez, regardez, regardez-moi ça, là. Le collègue, il se fait... Oh, c'est génial. Oh, alors là, c'est magnifique. Vous avez vu, mon collègue a mis le collègue à couvert parce que là il était gravement blessé. Allez, on continue les gars, on progresse, on continue de progresser là. Allez les gars, on continue, on progresse, on progresse. On progresse les gars, on progresse. Oh putain. Baisse ton arme là, baisse ton arme. Gendarmerie, baisse ton arme. Allez les gars, on continue de progresser. Oh putain, beaucoup de types armés. Je sais pas combien ils sont. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très organisé ce qui nous... Oh là là, on a un type là. Titou, attaque-le, attaque-le. Attaque-le, Titou. Allez, ouais, c'est bien. C'est bien, Titou, vas-y. Désarme-le. Le mange pas trop quand même. Ok, nickel. Bon, il y a quand même des individus qu'on a pu interpeller malgré tout ça. Malgré que ça a été une grosse tuerie, il y a des individus qu'on a pu interpeller. Donc voilà, je vais tout simplement les prendre. Attends. Lui, je sais pas s'il est mort. Je vais regarder, je vais vérifier son corps. Je vais regarder s'il est mort lui. Ou s'il a encore en vie. Ok, non, c'est bon. C'est super, on va pouvoir l'interpeller. Allez, toi, tu viens. Voilà, ils vont pouvoir... On va pouvoir les interroger. Ils vont nous expliquer là, le but de tous leurs actes là. Allez, toi, tu vas te lever. Passe-toi. Et tu vas me suivre. Et vous aussi, vous allez me suivre calmement. Donc voilà, on va faire sortir tous ces individus là. On va les questionner. Prendre des renforts au cas où, on sait jamais. Allez. Allez, allez, on se dépêche là. Non, c'est pas où le chemin là. Non. Je sais pas, c'est par où. C'est par où. Allez, c'est par là. Allez, allez. Allez, on ramène cet individu là. Regardez-moi tous ces corps à terre, c'est vraiment un gros massacre qu'il y a eu ici. Hein. Allez là, là, reviens ici. Allez. Beaucoup d'unités en renfort. On a quand même fait du très bon boulot. On a juste eu un collègue blessé, hein, comme vous avez, celui que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc voilà, ces individus-là vont être embarqués. Hein. Le soleil est revenu. Voilà, on va les embarquer. On va s'occuper de tous ces types-là. C'était quand même une grosse intervention. En tout cas, bon, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Donc voilà, c'était la partie 8, intervention gendarmerie. Pour le prochain épisode qui sortira sur la chaîne, on se retrouvera peut-être pour de la police nationale ou bien du GTA 4 ou je sais pas. On verra bien. Donc moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye. Allez, monte dans le véhicule là.